côté 3D. Je travaille peut-être un peu plus en 3D, mais en tout cas, j'ai l'habitude de créer un peu dans les deux domaines, disons. Et je fais des illustrations surtout orientées science-fiction. Là, j'ai toujours dessiné, pas toujours fait de la 3D, mais le dessin, oui, ça j'ai toujours dessiné. J'ai fait des formations, d'abord en dessin animé. Donc la formation en dessin animé, je l'ai faite au Gobelin, à Paris. Autrement, après, j'ai appris la 3D un peu en autodidacte. Je travaille plus avec des outils comme ZBrush, plus orienté sur la création vraiment et moins la technique. Outils qui permettent vraiment de sculpter en trois dimensions et qui permettent de créer mes univers. J'ai aussi dévié un peu vers la bande dessinée, que ce soit en 2D ou en 3D, et aussi par la création d'un fanzine de bande dessinée qui s'appelle La Case et qui essaye de regrouper un peu les dessinateurs de l'île. Bon, l'inspiration, elle me vient de deux choses différentes. C'est à la fois la bande dessinée d'il y a quelques années avec des auteurs comme Moebius, Bilal, Druyer, Serpieri, qui avaient vraiment un style graphique très bien marqué. Et en même temps de la littérature aussi de science-fiction, comme avec des auteurs comme Frank Herbert, William Gibson, pour les deux principaux. Comme je suis toujours dans une démarche de plus ou moins créatrice et que je crée pas mal de personnages, les gens peuvent dire voir ce que je fais sur mon blog, Neuroliquide. Il y a l'adresse sur le petit fil. Et donc je mets régulièrement à jour le site avec souvent des nouvelles créatures, de nouvelles illustrations pour les gens qui seraient intéressés et venir me voir et pourquoi pas laisser un commentaire. Thank you.